Hey, salut YouTube, j'espère que cette vidéo ne sera pas supprimée, même si je n'y crois pas, mais voilà, on est reparti sur Mario Galaxy, le Mario qui fait que toutes les vidéos que je publie sur YouTube se font dégager, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû redémarrer le jeu, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup moins de vie qu'avant, voilà, je suis à 9 vies, donc on en a 5 de base je crois, et puis derrière il y a Peach qui nous en donne. Donc c'est pour ça que le compteur est si bas. Parce que j'ai arrêté le jeu pour jouer à Yo the Clown. Si j'avais su. Si j'avais su. J'aurais pas joué. On va regarder une vie de plus. Oh là, 10. 10 vies. Est-ce que c'est-il pas merveilleux? Hop là! Allez, on va retourner là. Je crois qu'on avait tout fait avant. Et mais là, non. Je crois qu'on avait un peu speedé sur ce truc-là, non? Là, il y a tac, tac, tac. Ah, île flottante. Pourriez voir. Ah bah non, ça c'était fini en fait ici. Qu'est-ce que. Pourquoi? Pourquoi je pensais que c'était pas fini, moi? Je sais pas. Allez hop. Ah. Ça y est, on a des trucs pas terminés là. La bulle océane, c'est pas le circuit ça? Si, c'est le circuit hein. Ça ressemble bien au circuit, ça. Alors, la course folle avec les pingouinos. Il y a chaud aux pattes, le pingouino. Oh, ils ont l'air vénères, les pingouinos, là. Attendez. Regardez, je récupère ça, déjà. Alors, dites-moi tous les pingouinos. Faisons la course. Si je veux. Bon, il y a les taux de la super participer à la course et parler au chef des pingouinos. C'est lui le chef des pingouinos? Oh oui, c'est lui le chef. La course des pingouins va bientôt commencer. Tu veux participer? D'accord. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Non. Mais non, mais arrête. Reste sous l'eau. Espèce de con. Ah merde, il y avait un truc là. Allez, le raccourci. Je suis deuxième, c'est bon. Et ben voilà. Coucou Johanna. T'es là pour le strike? Ouais. Une médaille d'or, Mario. On va essayer d'être calme ce soir sur les discussions. On va éviter de dire on va éviter.
Tout ça ne sera pas dit aujourd'hui sur le chat. T'as lustré ton crâne, il est tout brillant. Oh, t'es tout brillant. Mais non. Y'a plus les cheveux. Y'a plus les cheveux. Un goinfre Luma. Ah bah disons, ça faisait longtemps. Zbouille. Est-ce que on va pouvoir le... Et du coup, tu nous parles pas de... Non. Ah, il est où? Il est où le goinfro? Est-ce que je peux faire ça? Ah ouais, ça passe. Hein. Ah, il est là, le goinfre. Alors, tiki-tiki. Et toi là, tu n'auras pas des fragments d'étoiles? J'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles. Je vais manger plein. Ding ding, je veux des fragments d'étoiles. Si tu m'en donnes 1000, je me transformerai. Merde. Non, j'en ai perdu. Du coup. Petit Jean-Michel à vous là pour commencer? Oh, direct quoi. Ça y est, je suis repu. Alors on y va. Transformation! Ça se trouve, c'est quand je fais transformation comme ça avec la grosse voix. Ça fait peur aux enfants et du coup, paf! Je me fais strike sur YouTube. C'est quasiment sûr que c'est ça. Quasiment. La rivière de sable. Un champignon au choix. Quoi? On comprend rien. Tan 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 tan. Ah, je peux choisir ce que je veux comme champi. D'accord. Explique-nous la reproduction homme-femme, s'il te plaît. J'ai pas compris. Ah non. Écoute, je pense que je vais te rembourser. Et je sais même pas si c'est pour ça, en fait. Je sais même pas si c'est ça, parce que... à chaque fois, ils me disent, ah bah finalement, on a revu le... On a revu votre vidéo et tout est ok quoi, donc je sais pas ce qu'ils ont déliré. Hein. Champignon blanc, ouais. Oh, il m'aime, regardez. Il avait un petit cœur. Trop bien. Vite! Vite, Mario sort! Ah merde. Nintendo claim, plus ou... Non, mais c'est même pas un claim. C'est absolument pas un claim. Hein. C'est... Je contreviens. Je veux un air comme Rabia, remboursement ou un T comme Tonium. Un air comme Rabia, c'est mieux. Air comme Rabia. Non, de ce qu'ils me disent, en fait, c'est que je contreviens aux règles de YouTube. Et que donc il supprime ma vidéo quoi. Et le contrevient d'âge, c'est sur... C'est sur le fait de... D'avoir des vidéos qui ne sont pas childproof. Alors que voilà, je dis pas... Je ne dis pas oui, je fais des vidéos pour les enfants, hein. Pas du tout, quoi, mais a priori. YouTube considère que quand c'est du Mario, c'est pour les enfants, quoi. En fait, je pense que le problème vient de là, quoi. Parce que j'ai plein d'autres vidéos, je pense, où on parle vraiment de cul et il n'y a aucun problème. Mais je pense que quand... Ton air, t'es toute pétée. Quoi? Ah, et merde. Encore. Et du coup, j'ai pas vu. Pourquoi? Ah, bah merci pour le Prime. 8 mois, hein. 8 mois déjà. Rah, merci beaucoup, Johan. Et sinon, tu vas pas virer le caractère enfant de ta chaîne? Mais non, en fait. En fait, sur YouTube,
sur YouTube, c'est soit Clem qui mine les seuls comme ça. En fait, sur YouTube, c'est soit tu dis que ta chaîne ou une vidéo en particulier est faite pour les enfants, soit de base, c'est considéré que ce n'est pas pour les enfants, quoi. Merde, comment on fait? Comment on fait? J'ai pas compris. Je vais faire des câlinos à mes filles pour le dodo, à plus. Bah, à tout à l'heure. Bon dodo à tes filles. Ah oui, d'accord, on peut y aller sans courir, ok. Enfin, sans sauter. Et merde. Je vais y arriver. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas non plus masse de vie quoi. J'ai failli tomber direct. J'ai failli tomber direct. Ça aurait été très rigolo. Voilà. Tout. Coucou patatarte. Attention, on est patatarte, hein, on est sur Mario Galaxy, donc aujourd'hui on ne dit pas tout ça. On ne dit pas. On ne dit pas. Allez, je sauvegarde pas parce que je suis un fou. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Allez, on avance. Hop, c'est parti. Coucou Blacky. Ta-ta-ta-da-da-da. Qui trouvera les étoiles d'argent? Ah, probablement moi en fait. En fait. Tout le monde dans la boucle océane cherche les étoiles d'argent. Et donc comme d'hab, qui c'est qui va tout se taper encore? Comme boulot, c'est moi. Chercher sous l'eau, mais je n'ai pas trouvé l'étoile d'argent. C'est parce qu'il n'y en a pas sous l'eau alors. Ah. Génie. Alors. Hop là. Je suis sur mon petit nuage. C'est cool. Là, il y a une mouette. Hop, j'attends. Est-ce que t'as vu ma réponse du coup, Blacky? Qui dit lui? Étoile d'argent? Je crois avoir vu dans le coin. C'est loin ces conneries? Oh non, va falloir un goinfre luma là, va falloir le... lui envoyer la thune. Regardez ça. Monter dans le canon, c'est canon. Ding ding, t'aurais pas des fragments d'étoiles?
J'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles. Je vais en manger plein, plein, plein. Dealing, dealing, je vais manger des fragments d'étoiles. Si tu m'en donnes 40, je me transformerai. J'en ai déjà 30. Voilà. 34. Où est-ce que je peux en choper aussi? Oh bah là, regardez. Ah, y'en a plein. Allez hop, c'est bon. Attends, je me bats avec mon assiette et un chaton. Il aurait fallu que je suce cela plus tôt. C'est pénible de faire attention. Bravo, hein. Bravo. Hein. Transformation. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà, fin de la bataille. J'ai enfermé le château. Oh là là. Quelle mauvaise mère. Quelle mauvaise mère tu fais, quoi. Vraiment. J'ai peut-être visé un peu loin. Vous allez dire que c'est Rabia qui est maltraité, quoi. En fait, ça part tout droit. Faut vraiment y aller tout droit, quoi. Ok. Ah merde! Oh non, j'ai réussi! Oh! Oh le génie! Quel génie! Hop là! Je suis pas copine avec le chaton là, il a défoncé mon oreiller de pause pour mon coup. Ah merde! Ce soir, elle a pas le droit à la chambre. Ah ouais. Mais Coucou Firewave. Super Mario. Tu es époustouflé. Ça va. Ça, c'est le genre de terme que tu as le droit d'utiliser. Époustouflé, ça va. Tu as le droit. Du coup, ouais, j'ai réussi à avoir... Oh là là. Génialissime Blacky, carrément quoi. Brrram. Pouet. Du coup, faut que je recommence. J'ai pas que ça à faire. Hein. Allez, récupère tout. Récupère tout. Zut. Alors oui, je t'ai répondu. Ok, bah j'ai pas vu. I don't have see the réponse. It is too bad. Ça c'est la course. Non, ça c'est pas la course. C'est les... les étoiles grises là. Enfin les étoiles d'argent qu'il faut que je récupère là. La course, c'est déjà fait. C'est déjà fait et déjà gagné. Merde. C'est la seule, les jeux Mario, faut toujours faire les niveaux 40 fois. Ouais, mais c'est jamais les mêmes. Effectivement, je suis dans le même décor, mais derrière, c'est pas le même jeu, quoi.
c'est pas la même partie ou quoi, donc enfin ça me dérange pas. Et puis c'est que les Mario en 3D, les Mario en 2D n'ont pas cette n'ont pas ça en fait. Les Mario en 2D c'est à chaque fois des niveaux uniques et qui va qu'une fois quoi. Let's go. Elle tombe. Quoi? Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Si tu coupes la fin des phrases aussi. C'est la façon les jeux Mario, faut refaire tous les niveaux 40 fois depuis 64. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est quoi le souci? 64, je parle donc des 3D. Bah non, il y en a eu d'autres des 2D depuis 64 en fait. En fait, les New Super Mario c'est bien des Mario 2D. Ils sont sortis après 64. Donc du Super Mario Bros. Wii par exemple, ouais voilà. Fait partie des Mario sortis après 64. Mais qui sont des Mario 2D. Et qui où t'as pas besoin de refaire les niveaux 40 fois. Après c'est compréhensible hein, parce que si t'avais... t'imagines 120 niveaux en 3D, complètement différents chaque fois. Je pense que des Mario 3D on en aura pas beaucoup quoi. Voilà, on aura des Mario en 3D avec 4 niveaux quoi, enfin avec Oui on peut aussi parler des Mario Tennis, Golf, Paper si on part par là. Mais pas du tout. Pas du tout, on parle des Mario Plateforme. On est en train de parler des Mario Plateforme. Les Mario Plateforme, voilà. Il y a les 2D et les 3D. C'est pas d'être... autant de mauvaise foi que moi quand même. Hein. Pourquoi je peux pas le choper? Il le pêche au moins. Et merde. Il y a un truc que j'ai dû louper. Et le 2.5D, on en parle du coup. Oh là là. Oh là là, la mauvaise foi. La mauvaise foi, on dirait moi. J'ai pas vraiment compris ce que je parlais. Tu fais que m'embêter. Alors, pas du tout en fait. Non, j'étais. Non. Merde. Pour une fois, j'étais sérieux. Non. Et pour une fois que t'as. Eh oh. Ah, par contre, mais les équipes. Pour une fois. Enfin, Johanna, du coup. Désolé. Je suis encore en train de m'habituer au changement de pseudo. Pour une fois que tu as tort, laisse-moi avoir raison, au moins. Il est là. Ouais. Et puis les deux autres, elles sont là-bas, quoi. Ok. Ok. Ah
sais pas pourquoi il y a autant de modes ennemis alors qu'on peut les éviter quoi. Je reconnais pas avoir tort que si c'est Blacky, Silent ou Vivi qui me le signale, sinon jamais. Parce que. Effectivement, très très bonne. Très très bonne raison, il faut avouer. Dun 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 dun. Quoi? Quoi, je suis où? Je suis là. Dun dun. Da da da. Il faut que j'aille où? 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 J'aille où? J'aille où? Merde, merde, merde. Ah, peut-être là? On voit plus rien, on voit plus rien, c'est bon. Attendez, il y a un truc là. Ça à quoi ça? Ben voilà à quoi ça sert. Agite son drapeau blanc parce qu'elle a pas suivi la conversation. J'ai oublié une précision dans une phrase. Ils ne font rien que m'embêter depuis, c'est tout. Ah bah voilà. Na da ga da ga da 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 da. Très bien ça, une vie. One up. Hop. Poète 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 poète. Du coup, je boudouille. J'ai toujours pas utilisé le conseil avec Sonium, sinon il comprend plus rien quand ça fait plus de 4 secondes. Voyez, je veux être sympa. Je veux faire un jeu où je gueule pas. Un jeu où on s'amuse tous. Et voilà quoi. Voilà comment je suis remercié. Tadadam. 4 secondes, c'est un peu méchant. 4,5 secondes, je pense. Quelle indignité. Le personnage vient de te dire beau travail. Ça, c'est pas un grand accomplissement. Je sais pas, je lis pas. Je sais pas, je lis pas, je lis pas. Ah, ah, je lis pas. Le coffre à jouer, je l'ai pas encore fait. T'as vu, il y a un Mario. Il y a une galaxie Mario. Un petit T comme Tony Hobb. T comme Tony Hobb. Vous avez vu le mec sur le T comme Tony Hobb, il me ressemble vachement. Est-ce que vous avez déjà remarqué? Le mec sur le T comme Tony Hobb me ressemble vachement. C'est quand même fou. Il y a le petit chouchou. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Balabalap. J'ai un truc robot là, non? Bah oui. Et là? Ouais. C'est pas ouf. Ah si. Non, ça va. Attendez, et là si je fais comme ça? Ah ouais, c'est bien! Bienvenue! Ici c'est le coffre à jouer. C'est nous qui en avons la charge. Merde, si j'avais su, j'aurais pas passé 5 minutes à configurer le truc. Savez-vous que j'avais une GoXLR? Est-ce que vous saviez que j'avais une GoXLR? Je le trouve plus beau que toi. Sans doute un jumeau maléfique. Mais dis-moi Tonio, c'est quoi une GoXLR? Eh bien c'est une petite interface audio qui me permet de faire moult effets. Par exemple de vous dire que j'ai une GoXLR. Voilà. Ce qui me permet en plus de gérer plus facilement les sorties audio dans Windows.
Donc évidemment, au-delà d'être peut-être du fun et de l'amusement en bar, ça me permet aussi de me simplifier la vie sur le stream. Et ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? Son prisonnier là-bas. On s'en fout. Non? Ouais, la gravité est différente. La technologie du turfu, ouais. C'est le futur du passé. La GoXLR, c'est le futur du passé. C'est ouf, hein. Ça, c'est ouf comme truc. Ok, super. J'ai enlevé les. J'ai enlevé ça, je sais pas quoi ça sert, mais je l'ai enlevé quoi. Grimpe là-dessus. Allez, grimpe là-dessus! Ah, c'est bien ça. Palapalam, pam, palalam. Oh les bats. Oh les petits bats. Ils ont osé. Super. Ta-ta-lam. Ta-da-da-da-dan. Ta-da-da-da-da-dan-dan-dan-dan. Hop, comme ça, ça c'est Keblo. Merde. Non, c'est pas ça, c'est ça. Ah. Bah voilà. Je suis de demander. Il y a un trou là. Je sais pas. Da-dan-da-dan, da-da-dan-da-dan-dan. Mouahou! Merde. J'ai pas chopé les trucs. Back for Blood ou pas Back for Blood? Pas Back for Blood. Jeu de la rédemption pour Tall Tall Rock où il continuera de s'enfoncer. Comment ça? Pourquoi s'enfoncer? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un trou parce que là où il y avait la vis. Ah, ok. J'avais point fait attention. Oh, Mario ressort. Alias la pire. la pire transfo. Ouais. Faut tellement être au bon moment quoi. Oh, regardez, on va arriver sur le Mario, non? Ah non. Mario Zé... Mario Zébulon. Évidemment, ça ne parlera pas aux plus jeunes. Mario Zébulon. Mario Ebou. Turtle Rock, c'est Left 4 Dead. Deux cartes pour Left 4 Dead 2. Mais surtout le très mauvais Evolve. Tu vois, Evolve, ça me parle même pas quoi. Ah oui, bah Back 4 Blood, oui, évidemment que c'est assumé, oui. Bah heureusement, enfin. c'est quand même assez visible quoi. C'est. Les gens qui le voient pas que. Back 4 Blood, c'est Left 4 Dead Remastered.
Comment ça? Comment ça? Mais je m'en fous moi, je fais des. Je fais des sauts moi. Non mais. Merci Mario. Pourquoi il y a un truc là? Non, y a rien. Ok. Ah on peut. Ah on peut. Merci Strabrios. Merci pour le follow. Es-tu un bot ou es-tu pas un bot? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah d'accord, ok. Si tu n'es pas un bot, frappe trois fois. Frappe trois fois. Donc Evolve, c'était un jeu asymétrique PVP only où des chasseurs allaient chasser un monstre joué par un autre joueur. Le papier avait des idées intéressantes, mais le jeu était mal équilibré, mal rythmé, devenait très pénible rapidement. Ok, d'accord. Mais non, mais. Mais quoi, mais. C'est les chauves-souris comme dans Isaac. C'est comme dans Isaac. Ah merde. Bah voilà, au moins ça c'est fait. Non mais c'est pas vrai quoi. Le truc qui pop au moment où j'arrive quoi. Coucou Chrisou. Je sais pas combien de temps j'aurai accès au live avec cette connexion, mais coucou, qu'est-ce qui se passe avec ta connexion? Le but pour le joueur solo monstre était de chasser les petits monstres pour évoluer, puis casser la figure des humains. Les humains pouvaient aussi récupérer des power-ups sur la faune et la flore, traquer, éliminer le monstre avec diverses techniques de base, de chasse, piège et autres armes. Je jouais à un jeu comme ça, ça s'appelait... Alors ça a changé de nom à un moment. Ça s'appelait... Enfin, c'était pas un jeu comme ça d'ailleurs en fait. Super. Super, je kiffe. Je kiffe. Super, redescendu direct en bas quoi. Ça s'appelait Tremulous. Ah mais je suis baisé en fait là, non? Ah non. Ah si. Non mais reviens. Chez les parents au fin fond du Périgord. Ah oui d'accord. Et pas besoin d'en dire plus. Et Tremulous, et ça a changé de nom après, ça s'appelait comment? Je sais plus. Et c'était un jeu libre. Et il y avait deux factions, il y avait les aliens. Il y avait les aliens et il y avait les humains. Et en fait on évoluait au cours de la... Putain mais... C'est de la merde hein. Et j'y ai joué pendant pas mal de temps hein. Bon. Ouais. Non. Oh là. Mais non mais c'est... Oh là là mais c'est de la merde. Bonjour. C'est de la merde.
Ce qui est amusant, c'est que le jeu avait des super notes à sa sortie. Peut-être si ça devient chiant au bout d'un certain moment. Oui, effectivement, tu peux... Le début est cool, quoi, et puis après, ça devient emmerdant. Non mais arrête, arrête le jeu. Non mais... Je suis câbleau derrière. Oh, me dis pas qu'il faut que j'aille rechercher le machin en bas, quoi. Ah si. Et donc que je me fasse toucher au moins 12 fois. Allez, mais non, mais... C'est chiant, c'est méga chiant. Oh là là. Attendez, je peux remonter direct en haut ou pas? Ah non, faut que je me retape tout. Ah, c'est bien, hein. Ah, c'est assez chouette, hein. Mais arrête. Il est toujours dispo en feed complet, mais le jeu a plus de serveur, les gens jouent en peer-to-peer. Oh là là. Ouais, d'accord. Enfin, ça va, ils ont quand même... Ils ont quand même eu le... La bonne idée de... le passer en free-to-play, quoi. Ah, il est génial, à ce niveau il est génial, hein. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup ce niveau, je l'aime fort. Il est bien, on s'amuse. Hop là. C'est bien, marrez-vous. Voilà. Bonjour, on s'en fout. Bonjour, on s'en fout, j'ai pas le temps. Hop là. Ouais, voilà. Oh, petite chauve-souris, hop. Désolé. On a autre chose à foutre. Pas de ça, le jeu coûtait 60 balles à la sortie. Et en plus avec des microtransactions. Ah ouais, d'accord. Ouais. Pierre. Les jeux qu'on aime, quoi. Non mais... Je vous jure, c'est le pire. Hein. Mario ressort. Mario ressort, le pire. Back 4 Blood dispose déjà d'un pass annuel annoncé, mais je sais pas s'il y aura des microtransactions et plus... Oh là là, ouais. Pouette, 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 pouette. Bah, la perspective, ça va. C'est pas 3D World non plus, quoi. Faut pas déconner. Désolé. Ouais. Ouais. Nouvelle galaxie. Comment ça, une nouvelle galaxie? Comment ça? Je croyais que j'avais tout débloqué, là. Je pensais que j'avais tout débloqué. Bien non. Zébardi. Pouette, 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 pouette. Bon, allez où Silent Genius là? Hein? C'est bizarre. C'est bizarre, il y a... Il y a Edwardine qui reprend les streams. Et Genius est plus, il est plus là. Je suis un peu tristouille là. Cette jalousie, bah oui. Totalement.
On en a parlé sur Twitter d'ailleurs. Que j'étais jaloux d'Edouardine. Hein. Oh, ça faisait un petit cœur. Oh, ça fait des petits cœurs. Regardez, c'est trop mignon. C'est le pire. C'est les pires. Pourquoi il va... Il allait pas du tout là où je où j'allais, mais enfin où j'appuyais, mais c'est pas grave. Et de quoi j'allais être jaloux. Bah moi je suis jaloux de cette ignace moi. Oh regardez, Deling, et toi là tu n'aurais pas des fragments d'étoiles? J'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles. Je vais en manger plein. Deling, je veux des fragments d'étoiles. Si tu m'en donnes 50 je me transformerai. Tant bien j'en avais 52. Ça y est, je saurais plus, alors on y va. Transformation. Une nouvelle planète est née. Waouh. Waouh. Oh super. Oh ça a l'air d'être chouette hein. Alors... Ok... Ah d'accord, j'ai compris. I began to comprehend this. On voit rien, on sait pas où il va. J'ose plus partir du lac de peur de plus pouvoir revenir en 160p, c'est une expérience. Ah oui! Ah quand même! Faut vraiment avoir envie de me regarder quoi. J'ai libéré le monstre, j'ai pas fait le montant pour qu'il vienne boire dans mon verre. Ça y est, tu commences à l'appeler le monstre. Ça y est, l'entente est compromise. Pourquoi ça marche pas? Oh, c'était peut-être une connerie ça, non? Ah non, ça va. Il en faut combien? C'est lequel que j'ai oublié? C'est par où? Mais non, mais j'ai rappuyé sur ce qui était bon. Je suis un con. C'est pas possible. Ça c'est bon? Merde. Mais non mais...
Non mais je pige plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe le jeu? Voilà, c'est bon, c'est jaune. Merde. Ok, ça c'est bon. Une fois que je suis là, qu'est-ce que je fais? Ah là, il y a... C'est trop long. Ok. Ça en est bon. Et ensuite... De l'autre côté? Ah, peut-être. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, ok. C'est bon. Ah, oh, les emotes qui mettent 5 secondes. Ah oh là là, mais Ah ouais, non, t'es pas gâté, quoi. T'es vraiment pas gâté niveau connexion, là. Hein. Alors, ça va être où? Attendez, je vais essayer comme ça. Voilà. Oh là 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 là, le génie. Je sais absolument pas où aller par contre. Hein. Là, je l'entends. Elle est où? Allez là-bas! Faut tourner là-bas. Oh merde. Merde. Bon. Non, c'est pas par là. On est perdu! Pour une soirée, je m'énerve pas. Je trouve qu'il dit quand même merde toutes les 15 secondes. Ah oui, mais quand je m'énerve, quand je m'énerve, c'est toutes les. Non mais qu'est-ce que tu. Faut que j'aille en bas. Faut que j'aille vers le bas. Regardez. Hop. Là, j'ai fait la bêtise d'aller vers le haut. Il ne faut pas aller vers le haut, il faut aller vers le bas. Ensuite, il faut passer ce truc-là. Là. Là. Merveilleux. Ensuite, on arrive là. Là, double saut. Ce qui nous fait changer de cube. Et là, hop, étoile. Easy. Toujours viser le bas, c'est ma devise. Viser le bas, ça me fait pas peur. Une fois qu'on touche le fond, on peut que remonter. Un stream Kula World, ce serait top. Mais arrête avec les jeux qu'il y a que toi qui connais, là. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Qu'est-ce qu'il y a, mon matou? Il y a du monde dehors, alors allez. Elle est curieuse, comme d'hab. Mario et Mario, point d'interrogation. C'est bizarre. Pouette. Tout le monde connaît Kula World, non. Bonjour, non. Voilà. Ça nous a fait plaisir, hein.
Non mais non, j'avais pas vu. Merde. J'ai pas dit merde, c'est pas vrai, j'ai pas dit merde. Et arrête. Ah non, là c'est là où il y avait le machin. Ah, La perspective. J'ai rien dit, hein. Moi, j'ai rien dit, hein. S'il y a quelque chose de particulier, c'est vous, hein. Mais moi, j'ai dit que dalle, hein. Un jeu PS1 où dirige un ballon de plage sur les formes géométriques 3D en inversant le sens écho comme ton dernier niveau pour essayer d'atteindre la sortie. On a tout vissé. C'est un jeu super propre, vous pouvez sortir un indé sans souci aujourd'hui. Ok. J'ai envie de faire une vanne, mais je sais pas si je peux la faire. Est-ce que j'ai le droit de faire la vanne ou pas? Voilà. Tu veux la vanne? Ah ouais, si le jeu n'est pas là, effectivement, il manque Kula. Voilà. Ce n'est pas comme si j'avais parlé de Tilt sur Amiga. Super jeu de réflexion au passage. Effectivement, tu n'en as pas parlé. Par contre, vous avez pas rigolé à ma blague, par contre. Parfois dans la vie, on a des regrets. Par exemple, la faute que tu as fait à regret, c'est ça? Par exemple. Rigolez à ma blague, hein. Vous avez intérêt à rire à ma blague, sinon je banne tout le monde. Ah tiens, voilà Genius. Voilà. Bonjour Genius. Bonjour. Sympa l'accueil. Non, bah je vois pas pourquoi tu dis ça. T'es plus chez Edouardine? Hein? T'es plus chez Edouardine, c'est ça? Ouais. Ouais. Genius, vite, fais une blague s'il te plaît, vite. Tu peux ban tout le monde si tu veux. C'est une Genius qui en refuse de rire à la non-blague glauque et graveleuse de Tony Hobb. Eh, bonne soirée, hein. Mais non, comment tu vas? C'est bon. À toute vitesse. Ah oui, c'est juste accéléré. Ah oui, ça va. Dagad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 
Ouais, j'étais dans ton coin encore. Ah ouais? Dans mon... Ah mais qu'est-ce que je suis drôle aujourd'hui. Vous avez de la chance, hein. Vous avez de la chance de m'avoir. Merde, je fais les mêmes blagues que Patatarte. Merde! Merde! Je t'aide bien à être drôle, faut dire. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas été là. Le saviez-vous? Ici, les blagues sont meilleures que chez Edwardine. Hein. Ah, est-ce que vous le saviez ou pas? T'as envie de jouer à Kula maintenant? Parce que j'ai fait une bonne blague. C'est pour ça? C'est parce que j'ai fait une excellente blague sur, sur le jeu. Du coup, maintenant, t'as envie d'y jouer. Des blagues ici, mais parfaitement. Parfaitement, j'ai fait une blague qui était parfaitement drôle juste avant. Si tu ne l'as pas compris, c'est pas ma faute. Hein. C'est tout. C'est tout. Oh, ça va vite. Hashtag, ça va vite. Mais non! Please! Pléase. Oh, c'est chiant. C'est méga chiant, c'est méga chiant. Oh là là. Ah. On me recommence tout, hein. Je vais être ravi, moi aussi. Parfaitement, il y a des blagues, il y a des très bonnes blagues. Vous êtes obligé de rire. Tout de suite. L'humour est un peu sombre, mais il manque pas de profondeur. Ah, bravo, bravo. Bravo, bravo. Oh! Quelle horreur. J'ai tout fait là. Mais non, mais... Oh là là, je voulais juste regarder. Hein. Oh, le jeu est pas sympa. Mais non, ça marche pas. Non, non, faut... maintenant faut que j'aille là-haut, c'est ça? Je sais plus. Pas par là, voilà. Oh! Putain, ça cause du... Quoi? Ah, il m'en manque encore, d'accord. C'est bon, j'ai réussi! I have réussi. And I am pas loin cette fois-ci. Ah, regarde, oh là là, regardez. C'est trop bien. Tadadadam. Bam. Balabam. Qu'est-ce à dire? Hop. Pardon, petit rototo. Je rate la pizza de ce soir. Elle était bonne. Bonne petite pizza ce soir. Qu'avez-vous mangé, vous, de votre côté? Histoire qu'on parle un peu bouffe, hein. C'est quand même le sujet préféré, ici. Yahoo! Pizza aussi.
Melon et chocolat. On dirait une chanson. Melon et chocolat. Pizza à quoi, toi, Blacky? J'imagine que ça va être une bonne pizza bien viandarde, non? Ou je me trompe? Et du coup, Genius a envie d'une pizza. Bah écoute. Écoute, mange-en une. Si tu as envie d'une pizza, faut en manger. On a faim. Eh bien, il faut manger. Oui, mais on peut pas. Eh bien, il faut vous forcer. Hein? Quoi? Ah oui, d'accord. Oh, c'est la merde. J'ai réussi. J'ai réussi à arnaquer le jeu. Faut aller où? Si tu crois que je vais aller chercher la vie là, le jeu, bah tu te gourres. Mais vraiment, pleine balle quoi. Putain de merde. J'en ai pas, ça passera pour demain ou demain ou après-demain. Lardon, oignon, fromage, c'était censé être du reblochon je crois, mais... Pardon, un chaton sur le clavier est passé. en même temps, ça allait bien. Franchement, le mot du chaton allait bien, quoi. Parce que tu vois, tu parlais du fromage qui ressemblait pas à du fromage. Et enfin, qui ressemblait pas au bon fromage. Allez, saute! Mais saute! Putain de merde! Oh! Les trucs chiants quand même. Hein. La transfo Mario relou là. Je l'aime pas. Hein. Attendez, j'ai entendu le truc qui charge là, voilà. Qu'est-ce que je fous? Je voulais faire un long jump. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut quand même pas se jeter là. Si. Oh là là. Et des fois. Coucou Number IT. Rasage de crâne du canard en chef. Ouais. Voilà. Oh là là. Est-ce que... Non mais non, je veux pas les trucs. Voilà. Enfin, t'es une connerie d'essayer de les récupérer directement. Hein. Il nous éblouit de toute sa beauté. C'est surtout le crâne qui brille qui vous éblouit. Ouais. Ah merde, c'était un bonus. Tellement bien, une vie.
Soit pour une vie. Bam. Désolé. Bon, sinon aujourd'hui je suis allé chez le rhumatologue pour ma hernie et le rhumato m'a dit y a aucun problème. Il m'a filé des anti-inflammatoires pour que ça diminue. Il m'a dit y a pas du tout besoin de chirurgie pour ça, ça va se remettre tout seul. Vous prenez vos petits médicaments et je vous revois que dans 20 ans. Même si je pense que dans 20 ans il sera cané, mais il commençait déjà à avoir de l'argent. Mais voilà, il y a un... Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Une hernie, c'est pas un rhume. Hein ? Quoi ? Bah non, une hernie, c'est pas un rhume, c'est pas ce qu'on a dit. J'ai beau souffler, j'arrive pas à éteindre la bouche. Ah oui, d'accord. Aïe, a compris. Ah bah vas-y. Je peux y arriver. C'est bon. Non, si. T'aurais dû voir un ornithologue. Le rhumato, c'est celui qui voit les rhumatis. Pas les rhumes. Voyons. Pardon, petit rototo. Rototo pizza. Merde. Bon, le matériel m'a fait deux infiltrations au niveau de ma double hernie. Bah non, moi il m'a dit c'est ok. Y a pas d'atteinte nerveuse. Il m'a dit c'est bon. Oh le tarbar. Bah voilà, bien fait pour ta gueule. Et attendez, vous allez halluciner quand je vais vous dire un autre truc. J'avais rendez-vous à 15h. J'avais rendez-vous à 15h, oui. Je suis arrivé en avance, parce qu'il y avait un petit peu de route, donc j'aime bien quand même prendre de l'avance. NON ! Quand je vous le disais que Mario ressort, c'était la pire merde au monde, quoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. C'est de la chiasse, hein, vraiment, hein, c'est pire chiasse. Vous imaginez une bonne grosse tourista, bah c'est pire. Parce que le truc fait sa vie. Et du coup, qu'est-ce que je disais-je ? Ah mais merde. Oui, donc j'avais rendez-vous à 15h. Je suis arrivé à 45. Et attendez, vous allez halluciner, hein. Il m'a pris à 45. Il m'a pris un spécialiste qui n'avait pas 4 heures de retard. Ah, c'est pas par là, c'est l'autre. Il m'a pris en avance. Donc je suis sorti de son bureau. Et ben il était 15h02 quoi. Et ça tombait bien parce que
J'avais pas pris de... Merde. Oh non! Mais j'ai pas réussi à arnaquer comme tout à l'heure. Et ça tombait bien parce que j'avais pas pris de bouquin. Et qu'il y avait genre zéro réseau... Allo Sto! Attendez, faut que je sois... Voilà, dans le bon sens, voilà. Pour éviter de tomber comme un caca, mettez-vous dans le bon sens. Putain mais c'est l'en... Non mais c'est l'enfer! Sans déconner! J'avais réussi tout à l'heure, j'avais réussi. Mais regardez ça! Non mais le truc fait vraiment sa vie hein. Eh ben... Il y a des brouilleurs parfois des trucs médicaux je crois. Moi en général c'est 0 réseau avec 5 mètres plus loin dans la rue, c'est nickel. Ah non non, là c'est vraiment, il n'y a pas de réseau. Je le sais parce que... je le sais parce que j'ai déjà passé une journée là-bas. Non non, l'hosto se trouve vraiment... dans une zone blanche. Donc c'est pour ça. Alors j'ai pas vu beaucoup de spécialistes parce que je suis jeune et en bonne santé, mais je te crois pas. Alors moi aussi hein, jusqu'à 35 balais. Jusqu'à 35 balais j'avais vu personne. Et puis là ça enchaîne comme cool chaîne quoi. Ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok. Faudrait qu'on retourne parler à Luigi, je pense, non? Et quel côté Luigi? Il est là-bas. Hop là. Petit raccourci. Ouh. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est pour voler. D'accord. Maintenant je peux voler là-dedans quoi. Dun, 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 dun. Oh, il y a des trucs, il y a tellement de trucs. Ah d'accord, on peut pas mourir. On peut pas mourir ici, d'accord, ok. Oui, j'ai la gorge qui gratte. Oh, le truc naze. Oh, il est où Luigi, là? L'épreuve. Le portail permanent de se rendre, les pouvoirs des deux autres gardiens sont nécessaires. Ça, j'ai pas encore récupéré. Du coup, l'hernie joue pour ta jambe. Ouais. Ah, Super Saiyan, je croyais qu'il y avait que Sonic qui savait faire. Pourquoi il y a un truc nouveau là et on sait pas où c'est? Le moment enfin venu, veux-tu te rendre au cœur de l'univers où t'attends celle qui t'est chère? Non. Non, qu'est-ce des merdes? Qu'est-ce des merdes? J'en ai rien à taper. Non mais pourquoi je prends pas le truc là pour aller plus vite? Hop là. Da-da-da, da-da-da, da-da-da. Pouette, 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 pouette. Ta-na-na. Oh, c'est la salle de jeu. Mais je l'ai déjà fait lui. Ah oui, je l'ai déjà fait. Ah mais sur le donut là-bas, je peux y aller en volant, non? Ah mais ouais! C'est
C'est ça qu'il faut faire. Ça vient d'où ça? Ah, en plus c'est là. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, j'étais bien con quoi. Quoi? Pourquoi on peut pas y aller? Pourquoi on peut pas y aller? C'est nul. Du coup, j'entends en haut. Hein. Alors, ah oui, on a vraiment rien fait ici. Hein. Les cercles mystérieux. Bah, vas-y, on va commencer par ça. Ah oui, c'est le truc qui s'affiche et puis qui disparaissent là. Chemin de traverse pour l'hyperespace. Putain, c'est beau. Hein. C'est beau, hein. Oh non, il y a des Kameks. Oh, j'aime pas les Kameks. Silent, j'ai besoin de toi, y'a les Kameks. I need you. Non, il y avait un truc à gauche là, non? Peut-être pas. Vas-y. On va y aller, on va y aller à Danf. Lance des cailloux, Kamek. Merci. La plateforme au-dessus qui apparaît pile au moment où je commence. C'est juste génial. Hein. Ah non mais... Merci Mario. Merci Mario. Merci Mario, merci Mario. Quel bonheur de travailler pour toi. Ok. Non, pas les cacas, pas les cacas. Pas les mecs. Pas les camecs. Oh mais non, mais non, mais pas ça encore. Oh, vraiment? je crois que ça va être le pire niveau. Hein. Regardez, on se retrouve dans Metroid. Vous vous rappelez Metroid là? Quand j'ai galéré? C'est le même truc? C'est le même truc, regardez, c'est au millimètre et faut taper au bon moment. Qu'est-ce qu'on rigole? Qu'est-ce qu'on rigole hein? Ah là, c'est rigolo. Hein. Faut aller où? Oh là là, oh là là. Allez! Mais non! Juste pour dire qu'il y a un chat très mignon qui regarde Tony Hop chez Blacky. Je pense que le chat il veut surtout manger les trucs qu'il y a sur l'écran quoi, j'ai l'impression. Hein. Mais le chat a l'air très bon à Isaac par contre.
Boing, boing, boing. Reviens. Je vais pas m'énerver. Je vais pas m'énerver. Même si ce truc de ressort c'est de la merde. Même si c'est de la merde, je vais pas m'énerver. Même si c'est de la chiasse, je vais pas m'énerver. Parce que je m'ai dit que j'allais pas m'énerver. Oui, j'ai dit que j'allais pas m'énerver. Et parce que c'est très simple de jouer avec ce truc nul. Le ressort, c'est vraiment le meilleur truc. Merde, merde. Je me suis pas vénère, je suis pas énervé. Qu'est-ce que vous disiez? Un petit R comme Rabia là tout de suite? Eh bah go. R comme Rabia. Si on peut plus troller. Ah. Cadeau pour le chat. C'est pas chez moi, ça me meurt, il est juste en pension une semaine chez moi. Qui vote pour que le chat reste chez Blacky à vie? Et vas-y, prends-en toi chat là, au lieu d'essayer de motiver tout le monde là. Quoi, t'en prends pas un de chat toi? Ah! Fais ton malin là, mais C'est pas chiant. Hein. C'est pas chiant du tout. Non. Pas les caca, pas les mecs. Pas les camecs. Barrez-vous. Merde, j'ai peut-être fait une connerie. Quoi? Oh. Oh la vanne. Allez go. Faut prendre un chaton pour draguer, ça marche, il paraît. Je peux pas adopter 3000 chats. S'il y a un chat quand je passe chez toi, Number, je vais me poser des questions. Bébé humain, ça marche mieux, mais les parents se plaignent après. Porte plainte souvent même. Galaxy complete. Yes, I want to sauvegard. Et je vais faire une petite pause. Ici, hop, des bisous YouTube, à la prochaine.